Arkham City has become your tomb, Wayne. I never fail to kill my target. You better run, Batman. You're next. Looks like your luck's run out, Batman. And there was me thinking it was going to be difficult. You picked wrong, Dark Knight. I will turn your blood to ice. You'll never beat me. I won't let you win. You took too long, Batman. Eh bien bonjour les clowns, c'est Jamel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode sur Batman Arkham City. J'ai encore une fois changé de costume, j'ai mis le costume Batman Year One. Donc je vous conseille bien évidemment ce célèbre comics qui fait partie des grands classiques de Batman. Alors la dernière fois on a fait toute la mission qui se passe au musée. Et ici on doit aller retrouver Ra's al Ghul, car on a besoin d'un échantillon de son sang pour compléter la formule de l'antidote. Donc on y va sans plus attendre, et comme d'habitude dans cette vidéo-là, on va foncer jusqu'au qu'on a affronté Ra's al Ghul. Alors je me rappelle très peu de ce passage-là contre Ra's al Ghul, franchement j'ai pas beaucoup de souvenirs. Tu n'es qu'à Porta si tu n'essaies pas d'en acheter. Hein. C'est quoi ça? Demande de largage de tyrolienne. Je vois que vous avez demandé des informations sur la Ligue des Assassins sur le bat-ordinateur. Oh, et vous avez fait une nouvelle demande de matériel. Avez-vous songé à une plus grosse ceinture? Oui, mais c'est trop lourd, ça me ralentissait. Prévenez-moi quand ce sera là. Hop, on va monter. Y a quelqu'un? Terminé. Je t'entends, c'est le bordel ici. Le patron a disparu. Quoi? Où est passé le pingouin? Aucune idée. Il était là. Batman finira dans ma vitrine de trophées. Et puis plus rien, nada, j'aime pas ça. Tu crois qu'il est mort? Que Batman l'a tué? T'es retourné au musée ou pas? Le musée est fermé. Il a été envahi par ces ordures d'infiltrés. On aurait dû les buter. Alors on fait quoi? On se planque. Si tu vois des gars du Joker, tu les butes. Attends, je vais éliminer 2-3 gardes en même temps. J'ai eu des nouvelles de lui. Du pingouin? Non, il a disparu. Regardez, Batman est là! Regardez, c'est Batman! Ok, mon but, on va descendre pour niquer leur race. Je savais que salut! Vous cru de te battre. Viens donc prouver le contraire! Bah voilà, je suis là, je viens de te défoncer, toi et tes potes, allez hop! Non! Allez hop! Tiens, toi, tu vas finir par terre, tant pis pour ton couteau de merde! Non! Oula! Allez hop, non! Non, toi, t'es rêve! Allez hop, toi, à terre! Tu vas mourir ici! Certainement pas, c'est vous qui allez mourir ici, pas moi. Non, toi, non. Et toi, tu vas finir à terre. Et toi, aussi à terre. Une caméra. Caméra HS dans le secteur 1. Ouais, caméra HS dans le secteur 1. Bon allez, reprenons la piste. Alors la piste, elle est ici. Je pense qu'il faut descendre, voilà. Pour monter. Non, pas trop non plus, Batou. Non, descends. Merci. Les amis de Wayne paieront une fortune pour le sentir. J'espère bien. Ce qu'il y a. Ok. Il fait un check, je ne sais pas quoi au vent, mais bon, pourquoi pas. C'est lui comme il veut. Hop, on monte.
J'aurais juré avoir aperçu un ninja. Oula, ça s'arrête plus là, non? C'est la fin des traces de sang. Ah. La seule façon de trouver l'assassin, c'est de trouver d'autres indices. Le bandana ici, non? Ouf! Oula, qu'est-ce qu'il y a eu là? N'essayez pas de vous évader de ce complexe. Les gardes d'ailleurs vont prendre. Le seul moyen de trouver Raz, c'est de mettre un mouchard sur ce ninja. Je dois m'approcher davantage. Je pense qu'il faut, faut poursuivre le ninja. Konnichiwa! Et hop, on monte, dépêche-toi, Batou. Allez hop, dépêche-toi, je veux pas qu'elle s'enfuit. Allez hop, c'est les techniques de ninja. Je dois m'approcher davantage. Donc quoi, j'ai rien fait, Batou. Allez hop, on y est presque, ici. Je vais t'attraper, je vais t'attraper, je vais t'attraper. Wow. T'as fait quoi là? Ah, pas bête ça. Si tu es encore en vie, c'est simplement parce que Ra's al Ghul le permet. Oh! Arrête-le! Robin. Elle me fait pas peur. Va-t'en. On dirait Arrow avec sa capuche. Ne nous suis pas. Je n'avais pas besoin de ton aide. Vraiment? C'est pas ce qu'il me semblait de l'endroit où j'étais. Je contrôlais la situation. Pourquoi Alfred t'a envoyé? Il s'inquiétait pour toi. Comme par hasard. Prends ça. Fais-le analyser et pars enquêter dans les hôpitaux et les urgences. Toute personne contaminée par ce sang mourra dans les 24 heures. À qui est ce sang? Oh, c'est à toi, pas vrai? Je vais l'apporter aux hôpitaux et je reviens. Tu as besoin de mon aide. Je peux me débrouiller. Gotham a besoin de toi. Les choses peuvent empirer, gravement. Tu crois? Si Strange sait vraiment qui tu es, qu'arrivera-t-il s'il le révèle à tout le monde? Comment feras-tu? Aie confiance, je trouverai un moyen. Je suis pas fan du costume de ce Batman Year One. Genre les oreilles sont trop petites et ses yeux blancs me perturbent. Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Je sais. Va-t'en! Je suis pas fan de ce costume-là. Il est beaucoup plus beau dans le comics, mais là, il est pas très beau. Ah, on a la tyrolienne maintenant. Vous voyez, le masque est pas ouf. Genre, ses oreilles-là sont trop petites, là. Limite, si tu coupes les oreilles, ben, ça fait genre un crâne chauve. Alors, bon, c'est parti. City, c'est l'enfer. On va aller poursuivre l'assassin. Là, normalement, il y a un trophée que je peux peut-être récupérer, là. Ah ouais, ici je peux récupérer. Tu crois que c'est vrai? J'en sais rien. Mais si ça l'est, il faut qu'on trouve un plan. Voilà. Si le pingouin est plus là, double face va se pointer. Il va prendre les commandes, je le sais. Catwoman, voilà. Un trophée en plus. Ah, il paraît qu'elle l'a juste blessé. Il va revenir. Personne. Oh non, Joker, c'est pas le moment de m'envoyer des messages coquins. Hein. J'ai pas trop envie. Hein. On va aller voir Ra's al Ghul. Ah ici, ça c'est une énigme, ouais. C'est une réponse à une énigme ça, regardez. Le masque de l'épouvantail. Ils arrêtent pas de sonner. Ah ouais, c'est une réponse à une énigme. Alors récapitulons, Batman a sauvé Freeze des griffes du pingouin. Ils travaillent ensemble? Non, Batman bosse pas avec Freeze. Mais il a éliminé le pingouin pour choper Freeze. Freeze bossait pas pour le Joker? Je suis sûr que si. Je crois que le bac à glaçons était censé guérir le Joker. Vraiment? Depuis quand le Joker a besoin de moi? Allez hop, je voyais un mec de l'homme mystère, on va aller l'interroger juste avant de continuer. On a qu'à lui dire tout le monde qui se pointe. Vous pouvez pas penser à ça, bonne idée. Genre ils m'ont pas entendu les mecs. Regardez, c'est Batman. Ah, il était temps, mais vous me voyez les mecs. Bon, toi, je vais faire ça, comme ça tu m'emmerdes plus. Toi, je vais tout au sol. Ah, j'ai une balle fumigène. Je veux pas de balle fumigène. Voilà. Tu sais combien d'eau je peux encore casser sur ta misérable carcasse. Bon sang, pitié, ne me fais pas de mal, je te dirai tout ce que tu voudras.
Ok, bah tout, il a rien dit cette fois. Mais je sais pas c'est qui les mecs qui m'ont tiré, qui ont tiré là, mais. Cible repérée, je répète, on a un visuel sur Batman. Oh, foutez-moi la paix, vous les Tigers. Avec vos hélicos, là, vos hélicos de merde. Là. Bon, attendez, on va répondre au téléphone comme ça, on sait. Voilà. Je sais qui c'est de toute façon, non? Salut Batman. Est-ce que tu reconnais ma voix? Victor Zsasz. Tout en os et en chair. Je suis ravi que tu te souviennes de moi. Moi, je ne pourrai jamais t'oublier. J'ai préparé un petit jeu, Batman. Oui, un petit jeu rien que pour toi. Dring, 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 dring. Vous avez vu? Il y avait un mec qui me regardait. Il n'avait pas osé m'attaquer. Je te le dis, il est passé par là. Mais t'as juste halluciné. C'est pas possible que quelqu'un soit passé et soit descendu. Impossible. Mais si, je te jure, on aurait dit un ninja. C'est un mec qui se faufile avec des épées, tu vois. Regarde autour de toi. Il n'y a pas de ninja tueur dans Arkham City. Ce serait démentiel. On les aurait repérés. Je l'ai vu. Il est descendu par là. On va tenter quelque chose. Mais si un de ces soirs tu te fais couper en deux par un putain de ninja, tu viendras pas te plaindre, ok? On va essayer. Qu'est-ce que c'est? Voilà. J'ai une caméra en face dans le secteur 4. Non. Laisse-toi. Ce qui va pas. Max, saloperie. Et toi, je vais te foutre par terre. Tiens. Je voulais faire ça pour ton pote qui m'a tiré dessus, mais bon. Pas bien pour Fellow. Voilà, maintenant on descend. Oracle, je me dirige sous terre. Sous la surface, Gotham est un labyrinthe de ferraille et d'acier usé. Mon signal peut s'affaiblir. Essayez de garder le contact. Je redirige la couverture satellite supplémentaire. Bonne chance, Bruce. Ah, là, il y a un trophée qu'il faut que je récupère avec l'arc électrique que j'ai vu là-bas. Il est où l'arc électrique? Ok, il est là. Faire ça. Hop, on fait demi-tour. La 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 la. Allez, on fonce, tel flash. Non, je rigole. N'exagérons pas parce que je me prends un mur, je peux tout recommencer. Nickel, du premier coup. Du premier coup. Là, je suis fier. Ah, ici, normalement, il y a un easter egg sur Killer Croc. Pensais que c'était raide là-bas, ici j'ai pas seulement moi, je suis trempé et j'ai l'impression d'empester la merde de croc. T'arrêtes jamais de te plaindre. La ferme, tu es deux. Un boulot à faire. Les gars du pingouin sont lâchés. Joker veut qu'on bute tous ceux qu'on trouve. Je croyais qu'il leur proposait du boulot. Il a dit que c'était à nous de voir. Moi, j'aime pas ces crétins. Là, je propose de leur mettre une balle dans la tête. Ouais, ça me va. Alors, il y a un mec en armure. Ok, je sais comment ça va se passer. Ouais, toi, je vais te foutre à terre. Ton armure de merde là. Ah, je passe dans la flotte. Et. Boum! Ça doit faire mal. Attends, niveau supérieur, on va augmenter, je pense, ma vie. Ah ouais, armure de combat, comme ça, je suis à fond dans l'armure. Voilà. Le Joker a fait passer son équipe par les égouts pour chasser les derniers sbires du pingouin. Là, y'a quoi? Ouais, là, ici, je pourrais pas tout de suite parce que j'ai pas encore le coup de givre. Là, ouais, il me faut ça. Et quoi? Voilà, on peut faire ça, comme on avait fait dans Arkham Origins. Enfin, dans Arkham Origins, on pouvait faire ça. Ah non, dans Arkham Origins, je me rappelle, on avait pas encore la tyrolienne dans Arkham Origins. Alors, on a quoi ici? Les derniers hommes du pingouin sont tirés quelque part par là. Joker veut qu'on les retrouve. Est-ce qu'on les tue? Ok, y a des mecs. À nous de voir. Ouais, la moitié des gars du pingouin sont des mercenaires. Moi, je leur fais pas confiance. Comme je disais, c'est à nous de voir. On verra ce qui se passera quand on les aura. Salut! M'a fait quoi, là? Ah non, pas touche au flingue. Ah putain, Batou! Non.
Tiens. Tiens, toi, tu vas finir au sol. Ah putain, salopard! Là, il a failli avoir un double salopard. Mais il m'a fait quoi là? Mais tu vois? Il tire des bâtards tout seul alors que j'appuie même pas sur la touche. L'homme mystère, parle. Pitié, ne me fais pas de mal, je vais parler. Je n'en doutais pas. Voilà, fini à terre, toi. Par contre, toi, le dentier, tu m'énerves. Ah, j'allais dire. Ok, il y a un trophée là. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Voilà, ça. Alors. Voiture. Comme dit le grand-père de The Kairi, voiture. Alors. Le protocole 10 prendra effet dans 5 heures. Ouh, il y a des corps partout, là, on dirait, non? Ah ouais. Il y a des cadavres partout. Alors on a quoi ici? Ah ça, est-ce que je peux l'atteindre? Non, je peux pas l'atteindre. Donc je vais faire ça. Voilà. Je vais aller chercher tous les autres trophées dans mon coin, hein, comme je vous l'ai dit. Encore des dents? Ça, il fait pas chier Joker avec ses dents. Oh là. Il fait pas chier Joker avec ses dents. Donc je sais pas où est-ce qu'on va ici. Je me rappelle plus où Ra's al Ghul se cache en fait. Donc on y va. Oula. Oula, je perds ma vie là. Vous allez bien? Qu'est-il arrivé? Les capteurs de votre tenue se sont emballés. Laissez-moi une minute. Ça va aller. Non, pas question. Vite, il n'y a presque plus de temps. Ah ok, Batouille est en train de mourir. Mince, il y a quoi dans ces trucs? Des armes, des explosifs, des capteurs. Ah, je t'avoue, je m'en rappelle ici. Du bon matos militaire. Démontez le sale pingouin. Est-ce que ça sort, ces trucs? On n'est pas censé être dans une prison? Voilà. Pose beaucoup de questions, mon ça, je me rappelle, j'avais fait ça une fois, j'avais adoré. Qu'est-ce que tu racontes? Je bosse pour le Joker, tu sais bien, ça fait des On va tenter quelque chose. Alors arrête avec tes questions. Tu sais qu'il aime pas qu'on en pose. Ok, désolé. Il y a un trophée, mais bizarre. C'est tout. Genre, ils ne voient pas les mecs? C'est-à-dire qu'ils sont ambiglots à ce point. Vous savez ce que c'est que cet endroit? J'ai jamais entendu parler d'un vieux Gotham. T'as jamais mis les pieds à l'école, hein? Comment ça se fait? T'étais trop occupé à pisser au lit pour aller en cours? Si t'avais écouté en classe, tu saurais que la ville de Gotham. Je vais les troller, les mecs. Je crois que je vais les troller. L'ancienne ville. Le vieux Gotham. Il y a eu une sorte de foire il y a au moins 100 ans. Il y a eu un problème et tout a été démoli. La nouvelle ville a été construite sur les ruines. On en apprend vraiment tous les jours, hein, les gars? Oh là, c'est facile. Et voilà, c'était facile. Oracle, on dirait que le Joker a envoyé ses hommes pour voler les armes des gardes Tiger. C'est mauvais signe. Ces gardes possèdent des armes militaires dernier cri. Si le Joker met la main sur ces trucs, enfin, vous voyez. Ça n'arrivera pas, je l'en empêcherai. Alors, y a quoi ici? Quelqu'un dans cette pièce utilise un brouilleur de signal. Eh merde. Je dois neutraliser pour pouvoir repérer mes cibles. Faire de mal, ma belle. Ou je peux être toujours. Merde. Je suis qu'une interne. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Tu veux bien me la laisser? Non, je t'ai laissé la dernière. Va chercher le reste des armes et stocke-les là-bas. Il y a un planning à respecter. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des générateurs d'interférences militaires. Et les meilleurs qui soient. Ces petites merveilles dérèglent tous les équipements électroniques qu'elles entourent. Alors arrête de râler et bouge-toi un peu. C'est dommage qu'on peut pas brouiller le brouilleur. Elle a l'air terrorisée. Elle est toute seule ici avec nous. Y'a de quoi avoir peur, on n'est pas des anges. Je me rappelle d'Arkham Redis, tu pouvais brouiller le brouilleur. Pitié, en fait. Je vous en prie,
Je ne peux pas le soigner. Laissez-moi partir. Désolé, Doc. Vous êtes à nous. Faites-nous plaisir. Tentez pas de vous enfuir. Je voudrais pas avoir à vous punir. Vous êtes tellement mignonne. Faudrait pas gâcher ça avec une balle. Et moi, mon truc, c'est les marteaux. C'est plus personnel, quoi. On peut sentir chaque coup, comprendre la complexité d'un corps humain tout en le réduisant à l'état de bouillie. Voilà, suspendre. Tu vois. C'est beau, mais je m'étais trompé sur toi. Qui est-ce qui crie ? Ta mère. Il y a quelqu'un coincé. Venez par là. Voilà. Maintenant, il y en a un qui est tout seul là. Tu veux pas courir ? À l'aide, détachez-moi ! Si je me mets à courir, merde. Il y a lui là-bas. Ah, ça y est, on est foutus. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On n'a pas peur de toi ! Si tu continues tes conneries, ça va barder ! Attends, je réfléchis comment je vais faire pour me les faire, parce que cette salle-là n'est pas facile. Enfin, je dis ça dans toutes les salles, donc... J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Attends, je vais plutôt me concentrer à lui, près de l'otage, là. Enfin, faudrait qu'il y en ait certains qui descendent. Ok, ils vont descendre, ils descendent. Allez, bougez un peu vos culs. Mais où tu te caches, bon sang ? Oh non, il y en a d'autres qui se pointent. Oh, c'est pas drôle, ça. Bon, au moins, ils ont pas de lunettes thermiques, c'est le principal. Mais pourquoi la caméra est comme ça ? Voyons, 5 contre 1. C'est pas mal pour la petite église. Mais pas pour vous, crétin. Attends, petite huile, lui là. S'il va à droite, je peux me le faire. Mais non ! Oh là là ! Vous êtes pas drôles les mecs. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Car ça, ils sont tous collés, comment tu veux là ? Un qui descend. Il descend. Mais putain, regarde ça, il remonte, ce bande de cons. Regarde-moi ça, ils font tous les mêmes rondes. Comment tu veux que j'y arrive, là ? Il y en a un qui est en bas, mais... Attends, si... Attends, ils sont tous descendus. Si lui... Il se retourne. Voilà, comme ça que je voulais. Cachez-vous, vite. Ces gens sont dingues. Est-ce que c'est le bruit d'une de vos tronches contre une surface dure ? J'espère bien. Vite ! Oh la flûte. On fait ce qu'a dit le Joker. Voilà, allez, on remonte. Oh non, c'est pas vrai. Les mecs ! Non, pas là ! Ici, tout de suite ! Voilà, là. Réveille-toi, tu m'entends ? Debout ! Attends, s'il y en a un qui se prend vers l'otage, de toute façon, je peux par le brouilleur. Au cas où... Comment il peut faire ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Laissez-le, on a plus important à faire pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a ? On a trop peur de se montrer ! Alerte l'autre Joker, ce serait bien. Ah, merci. Merci, tout ce que je voulais. Allez. Vous avez entendu le Joker ? Ok, bah c'est lui qui va voir. Oh non, encore ? Oh, c'est pas vrai, on a un autre gars à terre, ici ! Attends, il faut faire comme ça, je crois, parce que si tu les mets en panique... Qu'est-ce que vous foutez ? Ah bah là, ils vont être en panique. Pas question ! Démerde-toi tout seul ! Attends, lui, il se rapproche de l'otage. Et lui aussi. Oh, vous avez besoin d'un petit discours d'encouragement ou quoi ? Bon, d'accord. Je pense très sincèrement que vous allez tous mourir là-bas.
Dites-vous que ce sera la toute dernière voix que vous entendrez avant de passer l'arbre à gauche. Et sachez que vous m'avez tous beaucoup déçu. Je rigole. Ok, très drôle, Joker. Qu'est-ce qui se passe ici? Je le sens pas du tout. Non, tu le sens pas du tout, mon vieux. Il manque quelqu'un là-dedans. C'est qui? Ils vont même pas oser aller le voir. Voilà. Il me reste plus que le petit bonhomme juste en bas. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un foutu cauchemar! Mais non, c'est pas un cauchemar. Oh là, plat, je t'ai eu. Combien de coups vais-je devoir te donner? Non, je vais parler. Je n'en ai jamais douté. Wonder City, ça me dit rien ce truc là. Bon sang, c'est le bon. Voilà sur mon lit de mort. Et vous, banditions, vous n'arrivez pas à arrêter un débile en costume. Ah, il me faut ces armes. Comment je vais? Oh, désolé, Matou. J'ai failli lâcher le morceau, pas vrai? Tenez bon. Ouf, c'est bon. Ça s'est mieux passé que la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'avais faim. C'était une catastrophe quand je jouais en off. Merci. Que faites-vous à Arkham City? Je suis à Arkham City? Bon sang, qu'est-ce que je fais là? On m'a enlevé à l'hôpital dans lequel je travaille. On m'a drogué et je me suis réveillée dans un bâtiment, là-haut. La personne qui dirige cet endroit rassemble des médecins pour tenter de soigner le Joker. Vous n'avez pas eu de chance. Il est mourant, c'est ça? Il semblerait. Est-ce que c'est grave si ça ne me touche pas? Et maintenant? Vous devez rester là. Restez discrète et tout ira bien. Je vais revenir. Ceci dit, l'infirmière est ultra mignonne. Oracle, c'est moi. Le Joker n'est pas en train de voler les armes de Strange. C'est Strange qui les donne simplement au Joker. Vous en êtes sûr? Oui, question idiote. Pourquoi il ferait ça? Il essaie peut-être de contrôler celui qui fait la loi dans les rues. Je vais me renseigner. D'accord, mais... il vaudrait pas mieux trouver Raz d'abord? Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, Barbara. Wonder City. Ça ne me dit rien, ça. Ce monde est maudit. Les villes comme Gotham grandiront. Wow. Je perds du sang, là. Quand il ne restera plus de place, des erreurs des hommes qui scelleront le cercueil de cette civilisation. Oh, carrément. Et il est possible d'éviter cette tragédie. Gotham. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Les assassins de la Ligue. Mais pourquoi des femmes? Vous avez pas pris? Pourquoi vous prenez pas des zones? Oh non, mon combo! Non! Eh, j'ai fait du kunoichi, donc... non, pas du kunoichi, non, du jujitsu, hein, donc vous allez pas me casser les couilles, hein. Oh là. Oh là, volé. Voilà. Voilà. Oh non, ça me dit vraiment rien, ce lieu. Attends, je vois un truc là-bas. Est-ce que je peux l'avoir? Fait que je peux l'avoir. Voilà, je peux l'avoir. Merci, le jeu. C'est gentil. Temple de Wonder City. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est gros, en tout cas. Le signal du mouchard continue après cette porte. Mais on dirait que celle-ci est fermée depuis des années. L'assassin doit utiliser un autre chemin pour passer. Il doit s'agir des célèbres gardiens mécaniques de Wonder City. On dirait que leur mécanisme interne était sophistiqué. Il semble qu'ils utilisaient une sorte de bande mémoire, un ancêtre de la vidéo. Je pourrais peut-être l'analyser. Bon, on dirait le comment il s'appelle le robot doré là dans Star Wars là? Comment il s'appelle encore? Je me rappelle plus du nom. Je sais pas, il y a un petit air de ressemblance, robot. Les données sont incomplètes.
Il y en a d'autres dans la zone. Bien plus sophistiqué que la technologie disponible à l'époque. On dirait que les données sont stockées dans un pool mémoire partagé. Il y en a d'autres dans la zone. Je peux peut-être récupérer des informations sur les autres gardiens. Il y en a d'autres dans la zone. Donc là, ok, ils sont détectés par des bleus. Ils ont un corps bleu, donc c'est déjà ça. Surtout, ils ont pas d'âme, hein, les robots. C'est des chinois, hein. C'est des robots chinois. Oula, encore des ninjas. Après tout, tout est fabriqué en Chine, comme d'habitude. Donc tu m'étonnes que tout ce qui est créé n'ont pas d'âme. Je rigole, excusez-moi, je rigole. Ah, j'ai pas besoin de préciser que c'est de l'humour, hein, ce que je dis. Hein. J'ai pas besoin de préciser que tout ce que je dis sur ma chaîne, c'est de l'humour. Hein. Quand je dis par rapport aux noirs, aux chinois et tout ça, c'est de l'humour. Hein. Donc vous inquiétez pas, hein, faut pas le prendre mal. Hein. C'est juste de l'humour. Hein. Donc faut pas me dire que je suis raciste ou quoi que ce soit. Non, c'est juste de l'humour. Avant que vous sortez tout de suite les grands mots et tout ça. Dégage, femme! Dégage, femme! Dégage de là! Voilà. Et l'autre? Ah, bah l'autre, elle est tombée. Ok. Alors. Le suivant, j'en vois un là-bas. Attends. Il y a pas un ici? Bon, le truc de la mystère, je le fais pas tout de suite. Allez, hop. Voilà, ça va pas. La 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 la. Il y a un truc de la mystère, mais ça je le ferai pas. Par ici. J'espère que t'es le dernier, mon pote. Hein. Ah ouais, ça va être le dernier, je crois. Tout juste, c'est nickel. La bande de surveillance reconstituée m'indique le chemin emprunté par l'assassin. Elle a sûrement utilisé une entrée secrète. Il faut que je la trouve. Ok, je vois où c'est. Je vois où c'est. C'est le mur juste à gauche. Donc la porte est là. Et c'est ici. C'est ici l'entrée secrète. On dirait qu'on peut placer une épée ici. Bah, essayez qu'un batarang, ça passe pas, non? Encore vous? Non. Wouah, ce manque de respect envers les femmes, quoi. Le protocole 10 prendra effet dans 4 heures. Mais ça... Non, je pourrais pas, donc non, on verra chercher plus tard. Allez, on avance. Je sais pas si on se rapproche tout doucement de Ra's al Ghul ou pas. Oula, bah tout, ça va pas bien alors. Oh, il va pas bien, Batou. Oh. Les portes du paradis qui s'ouvrent. Le faire. Il faut que tu le fasses, Bruce. Bruce? Bruce? Oui, délire. Bruce, vous m'entendez? Rossigny Vito, il chute. On dirait qu'il s'effondre. Vous devez trouver ce que vous cherchez maintenant. Combien de temps il me reste? Oh, Dieu merci. Je vais devoir être honnête. À ce rythme, je dirais quelques minutes. Sérieusement, Bruce, vous devez me dire ce que je devrais faire et ce que Robin devra faire. Vous savez si... Je vais m'en sortir. Ben non, je vais pas mourir. Après tout, je suis Batman. Batman, je suis immortel. Ah, je pense qu'on arrive. Je vois des deux... Celle du démon, ah ouais. Ça doit être en rapport avec Ra's al Ghul. Donc on y est, je crois. On y est. Et je me rappelle plus trop comment ça va se passer. Franchement, j'ai un trou de mémoire sur le combat. Je sais plus comment ça se passe. Tu écoutes mes mises en garde. Tu n'as aucun ami pour te sauver ici. Stop. Talia. Bon, ça c'est fait. Bonjour, Talia.
Comment tu nous as trouvés? J'ai reconnu ta garde personnelle. Il ne me restait plus qu'à... la suivre, en fait. Pitié, maîtresse, il m'a berné. Allez, va-t'en. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Pour une garde personnelle, on dirait une débutante. Tu n'avais pas besoin de te faire arrêter juste pour me voir, Bruce. Après la nuit qu'on a passée à Métropolis, il te suffisait de m'appeler. Je ne suis pas là pour toi. Où est Raz? S'il est encore mort, j'ai besoin que tu ailles le réveiller. Seul un vrai successeur a le droit de voir le grand Ra's al Ghul. Mon père a toujours souhaité nous voir réunis, toi et moi, pour commander son armée. Imagine un instant. Toi, moi, un monde meilleur. Oh ! Ton visage. Il y a un zombie. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis ici pour prendre ma place à tes côtés. Tu veux devenir un assassin ? Pourquoi devrais-je croire à ce revirement ? Tu as vu mon visage. Est-ce que j'ai l'air d'avoir le choix ? Es-tu prêt à passer les épreuves du démon ? Tu dois prouver que tu peux ôter la vie pour sauver le monde. Je suis prêt. Moi aussi. Alors que les épreuves commencent. Des milliers de guerriers ont péri en tentant de trouver le démon. Les successeurs potentiels n'étaient en fait que des enfants incapables d'affronter l'énormité de la création. J'ai vu pire. Rien ne peut te préparer à ce qui t'attend ensuite. Le destin décidera de ton sort. Je n'échouerai pas. J'ai entendu ces mots une centaine de fois. Espérons que tu aies raison. Oh, mettez-moi ce cul! Elle a un joli petit cul! Ton voyage commence derrière cette porte. Malgré que j'aime pas le personnage. On peut commencer. Tu es sûr, Bruce? Un seul homme a survécu à cette épreuve. Tu essaies de me convaincre de ne pas le faire? Bien sûr que non, mais... je veux que tu sois sûr. Quand le sang du démon s'emparera de toi, tu seras tout seul. Comme d'habitude? Comme toujours. Puissent les esprits être cléments. Présente, je suis le grand Ra's al Ghul. Devant vous se trouve la première épreuve du démon. Il suffit de boire dans ce calice. Ça n'a rien de compliqué. Je veux bien boire, du moment que c'est pas de la vodka ou du whisky, hein. Bien. Sentez le sang du démon se répandre dans vos veines, restaurer votre santé et altérer votre volonté. Wow. Votre prochaine tâche est simple. Suivez-moi dans ce monde et l'épreuve sera terminée. Si vous touchez quoi que ce soit en chemin, vous mourrez. D'accord. Ça me fait penser au... au cauchemar de Bruce Wayne dans le DCU. Vous savez, tu vois dans BVS puis dans le Snyder Cut. Ça me fait vraiment penser à ça, au Snyder Cut. Et là, pour monte. Me dis pas que ce sont les épreuves, parce que si c'est ça, je rigole. Hein. Ces épreuves permettront de déterminer si vous êtes suffisamment fort pour diriger mes troupes et pour sauver ce monde du mal qui le détruit. Pas bon plan. Tout juste. Je suis parti complètement de l'autre côté et j'ai eu peur. Ah, il rigole, c'est mauvais. Ah, connard! Non, toi, t'as plus pas rien. Non. Elle est attaquée. Attaquée. Elles sont chiants, mais... alors toi, finis par terre. Et m'emmerde plus, voilà. Êtes-vous vraiment celui que je recherche, détective? Êtes-vous digne d'être mon successeur? Ça dépend.
Ça dépend, je peux me taper ta fille si je peux être, si je suis ton successeur, je peux me taper ta fille. Moi, je dis ça parce qu'elle a un joli petit cul, un Raz. Hein. Donc t'as de la chance d'avoir mis au monde une belle gazelle comme elle. Hein. Bon, allez, on plonge dedans. Ça doit faire une sacrée chute. Le sang du démon m'a permis de vivre pendant 600 années. Imaginez un peu tout le bien que vous pourriez faire avec un tel don. C'est moi ou il s'est en train de se désintégrer, là? Il était en train de se désintégrer, vous l'avez vu comme moi. C'était tout juste. J'ai failli toucher la poutre. Je vois que votre corps est en train de s'affaiblir. La petite quantité que vous avez pu avaler ne vous maintiendra en vie que pendant quelques précieuses heures supplémentaires. Il est temps pour vous de prendre l'ultime décision. D'accord. Ok, je dois aller là-bas. Oui, c'est risqué. C'est risqué. Non, c'est bon, ça a été. C'était tout juste. Voilà, il rigole encore. Non. Ah, ils sont quatre. C'est les tortues ninja. C'est les tortues ninja qui m'attaquent. Hop, Michelangelo était à terre. Raphaël était à terre. Et plus que Leonardo et Donatello. Voilà, non. Et voilà, les tortues ninja sont KO. Le moment est venu pour vous de m'affronter en personne. Ah, il était temps. Remportez ce dernier défi et le sang du démon vous offrira en retour la vie éternelle. Nickel. Juste avant, amélioration. Je vais prendre quoi? Bâton, non. Combat, je peux faire quoi? Combo spécial nuit de chauve-souris. Bah, je vais prendre ça parce que s'il y a d'autres combos qui me plaisent, je vais prendre par la suite. C'est quoi ça? Ah bah c'est celui-là que je voulais. Le coup de combo avec les batarangs, ça j'aime bien celui-là. Allez hop là. Bon ben, Raz, j'arrive te botter le cul. What? Ah ok, j'ai atterri. Vous avez réussi, détective. Maintenant, venez me retrouver. Je vous donnerai votre récompense. Ça marche, j'arrive. Hey, salut chérie, comment tu vas? Tu as réussi. Ouais. Tu as l'air surprise. Bien sûr que non, j'y ai toujours cru. Faux cul. Où est Raz? Il faut que je le voie. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ton dernier défi t'attend derrière cette porte. Je prie pour que les esprits t'épargnent. Seule la chance nous le dira. Ra's al Ghul. Mon père. Bienvenue, détective. C'est l'heure de votre dernier défi. Tuez-moi. Devenez la nouvelle tête de démon. C'est votre destinée. Je ne tuerai jamais. Même pas vous. Quoi? Tu m'as menti. Il me fallait un échantillon du sang de ton père. C'était le seul moyen. Permettez-moi de vous aider. Utilisez mon épée. Prenez tout. Non. Et c'est votre dernier mot. C'est un vieux, maintenant il s'est rajeuni pour aller pécho de la gonzale en boîte. Maintenant, ce n'est pas notre but pour quitter cette salle.
Ouais, il est prêt pour choper de la gazelle rase. Bon bah on va se battre pour savoir qui va choper le plus de meufs en soirée. Moi je suis chaud hein. Attends, je vais préparer ça. Allez Raz, amène-toi. Je vais venir te tirer dessus avec mon flingue électrique, tu vas rien comprendre. Allez, où est-ce que t'es? Vous auriez dû le tuer quand vous en avez eu l'opportunité. Oh non! Oh ils sont nombreux! Ils sont nombreux! Tiens, toi. Non! Vous ne pouvez rien contre nous. M'en bats les couilles. Tiens, tiens, tiens. C'est que c'est toi, Raz. Mais esquivez cet enculé, il est où? Découvrez la puissance véritable. Il fait quoi, là? De mon puits de hasard. Ah ouais, maintenant je me rappelle. Faut faire ça. Je me rappelle. Là! Il faut calculer au centième près pour le toucher! J'ai eu! Allez, viens te battre! Oh non! Oh non, 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 non. Nous sommes destinés à diriger cette planète. Pour éliminer la lie de l'humanité, nous seuls pouvons le faire. Mon père est âgé. Son temps est révolu. Le nôtre commence à peine. Prends sa lame. Tue-le. Accepte ton destin. Accepte notre destin. Tu sais que c'est impossible, Talia. Alors, mon ange, tu devras mourir. Toujours les femmes, toutes des ingrates. Vous n'arriverez jamais. Oh non, 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 non. Putain, vous avez vu tout le monde qu'il y a? Ouah, putain. Nombreux. Nous sommes imbattables. Ouais, je sais, vous êtes la Légion, on sait. Vous êtes le Sporting de Charleroi, on a compris. Vous êtes la France, nous on est meilleurs que vous les Belges. Non! Nous sommes beaucoup trop nombreux pour vous. Arrête de te répéter. Non! Vous auriez dû accepter de nous rejoindre. Et quoi encore? Vous ne pouvez rien contre nous. Là. Vous auriez dû accepter de nous rejoindre. Non! Check t'es là-dedans, Raz, c'est même pas de ma voix. Mais putain, vidé. Pour ça, vous allez. Oh là 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 là. Bon bah, c'est reparti pour la phase 2. Oh non, il sort son épée maintenant. Ouais. Attends. Non, pas le lancer de shuriken, pas le lancer de shuriken. Ok, c'est là. Vous auriez dû accepter de nous rejoindre. Oh là 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 là. Nous sommes imbattables. Ouais, ça aussi, t'es imbattable. Tiens, connard. Oh putain. Oh, j'esquive les shurikens. Non, ça marche pas là. Oh, oh non, ce vol. Oh non. Non. Oh non. Là. Non, allez hop. Rigole-moi hein, papy Alboul. Là. Acceptez votre destin. J'accepterai du tout, tiens. J'accepte ça au moins, petit con. J'accepte au moins ça. Allez, viens te battre. Viens, tu crois que j'ai peur d'un papy de 600 ans de pige? Allez, hop là.
Allez, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas chier, Batman. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoutez-moi, détective, et écoutez bien. Des vrais tatouages qu'il a? C'est moi que vous allez tuer. Vous dirigerez la Ligue des Assassins. Car si vous ne nous rejoignez pas, je tuerai la seule personne que vous ayez jamais aimée. Ça ne devait pas se passer ainsi! Oh, ça lâche! Patarang inversé, ok, donc je fais comment? Je fais ça. Allez. Ok. Et hop, voilà, terminé, Raz. Voilà, tout ce que je voulais, un peu de ton sang. Détective. Vous auriez dû me tuer. Oui, il aurait dû. Quel genre d'homme est capable de sacrifier sa propre fille? Et toi, tu m'as menti. Je croyais que tu m'aimais, Bruce. Je croyais que tu étais prêt à rejoindre notre croisade. Talia, je... Arrête. Vous vous valez bien, tous les deux. Moi, je te casse pas le cul, Batou. Vous paraissez vieux, Raz. Que se passe-t-il vraiment ici? J'ai utilisé le puits de Lazare bien trop de fois. J'ai vécu pendant 600 ans. Mon esprit et mon corps sont à bout de force maintenant. Chaque fois que j'entre dans le puits, j'ai peur de ce qu'il en ressortira. Le puits de Lazare a corrompu votre esprit. Réfléchissez. Si votre puits tombe dans de mauvaises mains, vous ne pourrez rien pour arrêter des siècles de destruction. C'est votre seule chance de vous racheter, Raz. Arrêtez votre croisade, ou vous aurez affaire à moi. Ça ne dérange pas de lui reboter le cul comme je viens de le faire à l'instant. Bruce ? Mais où est-ce que vous étiez passé ? Je vous croyais mort. Désolé de vous décevoir. Vous avez trouvé Raz ? Hey ! Mais attendez, les signaux de votre tenue sont redevenus normaux. Vous êtes guéri ? Qu'est-ce qui se passe ? Raz et ses troupes sont basées sous Arkham City. Ils sont occupés à extraire un produit chimique naturel, qu'il appelle le Lazare. Ça fait des siècles qu'il l'utilise. Il l'a perfectionné jusqu'à ce qu'il soit capable de revenir du monde des morts. Et vous en avez pris ? Il m'y a forcé. À petite dose, ça semble guérir la plupart des maladies. Mais même une si petite quantité génère de terribles effets secondaires. Avec tout ce qu'il a pris, Raz a basculé. Alors, vous pensez que vous êtes guéri ? Non. Les effets sont temporaires. Raz a tenté de me convaincre d'utiliser son puits, mais c'est beaucoup trop risqué. Quand j'en aurai fini ici, il faudra que je me penche sur la technologie Lazare. J'ai dit à Raz de fermer son puits. Et vous croyez qu'il le fera? Ça m'étonnerait. Raz est accro à ce puits. Je lui ai donné une chance d'oublier cette addiction. Sinon, je devrais m'en charger moi-même. Eh bien, c'est sur cette... dialogue entre Oracle et Batman qu'on va s'arrêter là. Parce que là, on a atteint 50 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là. En tout cas, j'ai fait l'essentiel, c'est-à-dire battre Ra's al Ghul. Donc j'espère que cet épisode 5 d'Arkham City vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gros pouce bleu qui me ferait plaisir et qui me motivera à continuer. Mais aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas encore abonnés. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas quoi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Car il vaut mieux avoir une belle vie que d'être fou et d'être jeté dans Arkham City. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!